continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction de... Regarde, regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Tu reconnais ça? C'est la poche en plastique qui contenait l'almanach des sports. Je le sais, parce qu'il y avait encore le ticket à l'intérieur. C'était dans la machine à voyager dans le temps. À côté de ceci. Le pommeau de la canne de Biff. Je veux dire le vieux Biff, celui du futur. Exact. C'était dans le véhicule spatio-temporel parce que Biff était dans ce véhicule. Et il avait emporté l'almanach. Oh la vache. Vois-tu? Pendant que nous étions dans le futur, Biff s'est emparé de ce livre, a volé la DeLorean et a remonté le temps pour se donner l'almanach à lui-même à un certain moment du passé. Regarde. C'est écrit, noir sur blanc, Biff a gagné son premier million de dollars en pariant dans une course de chevaux en 1958. C'était pas un coup de chance, il savait, parce qu'il avait tous les résultats des courses dans l'almanach des sports. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. Tiens, prends la loupe et regarde sa poche. L'almanach. Oui. Oh, l'espèce de fumier, il m'a volé mon idée. Il devait sûrement écouter quand je... C'est ma faute. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Si j'avais pas acheté ce sale bouquin, on serait jamais tombé dans ce pétrin. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez dire? Si tu préfères. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit une fois que nous aurons rétabli la situation. C'est ça, on n'a qu'à retourner vers le futur et empêcher Biff de voler la DeLorean. Erreur! Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arriverons dans le futur de cette réalité dans laquelle Biff est un homme tout puissant, malfaisant et marié à ta propre mère. Et dans laquelle... Voilà ce qu'il advient de moi. Non! Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette direction. Si nous voulons que l'univers redevienne tel que nous l'avons connu, et si nous voulons réintégrer notre réalité, nous devons découvrir à quelle date exacte, de quelle manière, dans quelles circonstances et à quel instant précis, le jeune Biff est entré en possession de ce fameux almanach. Maturité, j'en ai peut-être peu, je m'en bats les couilles si t'aimes pas. En tout cas moi, je nique sa mère au tempo.